nous voici devant la Varimaster L Smart Plowing. Donc Smart Plowing qui correspond à la version IsoBus, donc la version premium de la Varimaster L, qui permet d'abord de régler tous les réglages au niveau donc de la charrue, aussi bien la largeur de coupe, le déport, le retournement et l'aplomb. Donc avec ceci, ce qui est intéressant dans le pack de base de la Varimaster L Smart, on a le retournement automatique. Donc c'est-à-dire que dès qu'on vient lever la charrue avec le tracteur, la charrue va se retourner automatiquement. Ensuite, de nouvelles fonctions au niveau donc de cette charrue. La première fonction, donc, c'est le Smart Plowing Line, qui permet en fait d'avoir une gestion automatisée de la largeur de coupe. Donc cette option permet en fait de corriger des courbes dans une parcelle ou tout simplement avoir un travail homogène en labourant tout le temps à la même largeur de coupe. La seconde fonction qu'on vient d'apporter grâce à l'IsoBus sur la Varimaster L, c'est du section control par la fonction Smart Plowing Lift. Donc cette fonction est intéressante car chaque âge vient d'être individualisé et permet d'être levé ou baissé individuellement. Cela permet dans un premier temps de créer des fourrières parfaitement rectilignes avec une surface complètement plane qui permet d'éviter d'avoir des chocs et des ballottements de tracteurs en fourrière. La deuxième fonction est plus agronomique, donc ça évite un double retournement du sol en fourrière et donc de remettre de la verdure et des adventices en surface qui permet de limiter le salissement, notamment en fourrière. Le CCI 1200, donc où nous pouvons voir l'ensemble des réglages de la charrue qui peuvent se faire directement via le terminal, avec notamment donc les indicateurs nécessaires pour repérer le positionnement de la charrue, avec de la largeur variable ici, du déport et les autres fonctions facilement accessibles. La possibilité également donc d'enregistrer directement via cet écran les paramètres de réglage, et tout en haut la touche retournement, ou qu'avec un simple appui long on a le retournement en automatique. Ici c'est pour la partie travail, il suffit de paginer pour retrouver nos deux fonctions, donc Smart Plowing Line avec une activation toute simple ou alors la gestion des corps en manuel. Enfin ici on peut voir donc la création des différentes fourrières, des lignes AB pour la gestion automatique de la largeur de coupe, et donc avec ça on permet de faire des fourrières de très très belle qualité.